Au niveau médical, la question des odeurs doit être gérée correctement. Il faut distinguer. C'est pour ça que les gens doivent être nus. Il faut être dans la nudité au niveau médical. Parce que les vêtements peuvent aussi apporter une certaine odeur, mais qui n'a pas de rapport avec la maladie. Quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui a une odeur particulière. Bon, si vous le prenez habillé, l'odeur, elle peut venir de ses vêtements et non pas de son corps. Donc il faut constamment distinguer les choses qui viennent du corps et les choses qui viennent des vêtements qui sont ajoutés au corps. Et quand on dit à quelqu'un qui pue, il faudrait déterminer s'il pue parce que c'est son corps qui pue ou si c'est son vêtement, son habillement qui pue. Et c'est pas du tout la même chose. Et médicalement, ça n'a pas du tout la même chose. Donc, il est très important de distinguer le corps nu et le corps habillé.